Choco, choco. Choco, choco. On a gagné, on a gagné, on a gagné. Merci. Excellences, Monsieur le Président du Parti du Renouveau Démocratique, Maître Adrien Guédi, honorables députés à l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les maires, les adjoints maires, les élus communaux, Mesdames et Messieurs les membres de la direction exécutive nationale, Mesdames et Messieurs les membres du bureau politique, Majesté, tête couronnée, gardien du temple, nous nous retrouvons autour de vous. Monsieur le Président, Maître Adrien Guédi, ce jour, samedi 18 janvier 2014, pour marquer le début d'une nouvelle année et ainsi sacrifier à la cérémonie de présentation des vœux et en même temps tenir notre Conseil national. Comme vous le constatez alors, ce jour coïncide avec la tenue de ce Conseil national. À cet effet, Monsieur le Président, c'est un grand rassemblement de plus de 10 000 militants du parti venus de partout qui sont mobilisés autour de vous, aux côtés des membres du bureau politique et des responsables de nos structures à divers niveaux pour donner à la cérémonie la dimension qui correspond à votre personnalité. C'est ce besoin de réunion significative et de communication solidaire avec tout membre du parti, où qu'il soit, qui explique que la DL est délocalisée, la cérémonie de présentation des vœux et la tenue de notre Conseil national en ces lieux, la commune d'Adjara. C'est donc un plaisir et un honneur pour moi de prendre la parole au nom de ces militants combattants dont la présence ici n'est autre chose que l'expression d'une conviction, d'un attachement à votre personnalité, aux valeurs, au charisme qui sont les vôtres et qui nous stimulent. Monsieur le Président, chers amis, rendons grâce au Seigneur Tout-Puissant. Nous devons le remercier pour nous avoir maintenus en vie et conférer à notre pays la stabilité politique, facteur de paix. Souhaitons qu'il en soit ainsi pour l'année 2014. Excellences, Monsieur le Président, le Parti du Renouveau Démocratique est un parti de l'opposition pour avoir rempli les formalités et fait officiellement la déclaration conformément aux décisions issues du 3e congrès ordinaire des 11 et 12 février 2012. Sous votre direction, la direction exécutive nationale a régulièrement tenu ces réunions. Avec votre appui et votre engagement, elle a organisé des journées de réflexion sur les sujets d'actualité et d'intérêt national tels que la journée de réflexion sur le décret numéro 2009-548 du 3 novembre 2009 portant révision de la Constitution de la République du Bénin. Le séminaire de réflexion sur la liste électorale permanente informatisée, l'EPI,
qui a fait des recommandations assorties d'un calendrier et d'une proposition de loi sur la correction de la dite liste. La tenue de l'université de vacances de septembre 2012, au cours de laquelle des experts et ministres du gouvernement, encore en poste, ont planché sur des thèmes qui défrayaient la chronique notamment, organisation des filières agricoles, cas du coton au Bénin, évolution et perspective du programme de vérification des importations nouvelles générations, PVI-NG, elle a exécuté plusieurs tâches et n'a jamais manqué de réagir promptement, conformément aux nouvelles orientations du parti. Vous l'avez réitéré lorsque le chef de l'État vous consultait pour la formation de son dernier gouvernement, la direction exécutive nationale vous a appuyé par son communiqué en date du 11 août 2013. Mais avions-nous été compris, Monsieur le Président, c'est non. Excellence, Monsieur le Président, dans votre discours d'ouverture du 3e congrès ordinaire du parti, vous faisiez remarquer que notre pays allait mal. Très mal, tant au plan politique, économique qu'au plan social. Mais ce cri de frère est resté comme un non-lieu. Que constatent les Béninois aujourd'hui? Le chef de l'État lui-même a reconnu cet état de choses et l'a clairement exprimé dans son discours lors de la fête de l'indépendance le 1er août 2013. C'est dans ce contexte de grave crise politique, économique, sociale et morale que nous avions organisé notre université de vacances édition 2013 sur le thème « La démocratie au Bénin, état des lieux ». La richesse des thèmes développés, des débats, des résolutions prises, mais surtout la profondeur du discours prononcé par le président ont fait de cette manifestation un événement politique majeur. Vous aviez su justement tirer sur la sonnette d'alarme en faisant observer plusieurs cas de